Bonjour, c'est Lover. Aujourd'hui, je vais laisser parler Petit Lapin qui avait envie de vous présenter ce bel objet qu'elle tient devant elle. Je te laisse parler. C'est une couronne de Noël. Donc, il y en avait avec un nounours qui était comme celle-là. Sauf que, en fait, au début, j'en avais vu une qui n'avait pas les mêmes décorations et qui était avec le faon. J'adorais le petit faon. J'ai regardé derrière la couronne où il y avait le nounours et du coup, j'ai trouvé le faon avec ce joli paysage. J'adore ce paysage parce que plein de neige sur les petites décorations. Je trouvais ça joli. Et aussi ce petit effet avec des poils sur la couronne. Ça pique un peu, mais c'est doux en même temps. Donc ça fait un très joli son. J'en ai plein les mains. J'adore les petites pommes de pin, je trouve ça mignon. Par contre, les petites aiguilles de sapin, ça picote un peu. Donc il y a aussi une ficelle blanche, nacrée. Je sais pas si on peut faire du tapping dessus, je vais essayer. Ça fait pas trop du tapping, mais c'est relaxant quand même. J'ai envie de le caresser, je trouve ça trop mignon. Le nounours, c'était trop mignon. On a passé du temps avec Petit Chat pour trouver lequel on allait prendre. Parce que le nounours, il était aussi mignon. Donc voilà pour cette courte vidéo. Je tenais à présenter ce petit objet. Donc Voilà, c'est donc pas. j'ai effectivement proposé aux petites demoiselles de penser ou de réfléchir si elles avaient envie à vous offrir des petites vidéos de l'avant qui font entre 2 et 5 minutes. Donc, cette petite décoration leur avait tellement tapé dans l'œil qu'elle a été achetée très 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 tôt. Je crois que vous l'avez eu en mi-novembre et donc du coup elle est déjà suspendue et tout le tralala depuis mi-novembre sur la porte de la chambre. Même en octobre, je crois. C'était pas mal les Ah oui, vacances c'était en d'octobre. octobre. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc ça fait très longtemps. Voilà. On vous fait des gros bisous et à demain. À demain.